D1 s'est passé très moyennement, puisque je finis avec la journée avec 56 000. J'ai jamais pu monter plus haut que 80 000. Après, bon, c'est toujours pareil, j'ai eu le retour du bâton, j'ai très mal joué de même. Sur un coup de bluff, j'aurais dû payer, même ma fille de 10 ans l'aurait payé, j'ai pas payé. Et voilà. Et puis après, ça m'a un peu déstabilisé. Tu sais comment c'est quand tu en veux un peu un joueur qui m'a montré sa main. Et j'ai reperdu les jetons derrière. Bon, mais sur la fin, je suis un peu remonté. Mais bon, le tournoi est franchement toujours aussi agréable. Ça, je suis toujours impressionné par le nombre de joueurs qui viennent à Marrakech par rapport au circuit français ou même européen. Parce que sur un tournoi à 1000, tu as plus de monde que dans un side d'un EPT. Et puis avec des joueurs de qualité en plus. Pour moi, c'est un tournoi qui est incontournable. Je le fais tout le temps. C'est du reste le seul tournoi que je fais parce que je fais très très peu la Mamounia. Je fais toujours celui-là par contre. Et malheureusement pour moi, depuis cette année, enfin depuis là, le mois de juin, j'ai mon fils qui le fait aussi. Donc il est en course, celui qui a beaucoup plus de jetons que moi. Donc il faut qu'il rentre à les payer parce que ça me coûte deux fois plus. Voilà. Ben, moi je trouve qu'il y a eu vraiment de très très bons choix. Du reste, quand Roger dit qu'il faut plus de payer, il y a plus de payer que dans les autres tournois, je trouve ça génial parce que les gens reviennent. C'est pas bien pour le premier parce que le prize pool du premier diminue, mais je pense qu'il a tout à fait raison. C'est l'avenir aujourd'hui de ce genre de tournoi. La preuve, c'est qu'il y a du monde. Après, on est bien accueillis, l'hospitalité marocaine. Quels sont les tournois où tu as des petits gâteaux, des choses comme ça. Mais vraiment, tu prêches à un convaincu, là, c'est pas parce que je suis ami avec Roger et que j'aime beaucoup ce casino, mais c'est pour moi, dans cette catégorie de tournoi, un des plus beaux tournois au monde, hein, dans cette catégorie, bien sûr.